Elle était très malade. Je vais juste raconter parce que elle était seule avec quelques-uns de ses enfants à la maison. Et tout à coup, elle ne sentait pas du tout bien. Et tout à coup, elle est tombée dans le coma. Et les enfants, ils ont essayé d'appeler le SAMU. Le SAMU n'est pas venu. Et elle a appelé son mari qui était sur un bâton. Moi, ce n'était pas elle, c'était ses enfants qu'ils ont appelé, qui étaient dans la marine, dans l'Asie, quelque part. En tout cas, dans un moment, elle était vraiment pas contente pendant au moins 24, 40, on ne sait pas combien de temps. Et son mari a appelé le pasteur de l'église qui est venu le visiter à l'hôpital. Heureusement, elle est arrivée à l'hôpital. Et il a prié pour elle. Et tout à coup, elle se réveille. Et ça, c'est un merveille. Et c'est tout raconté dans ce livre, beaucoup plus long. Voilà. Il veut quand même dire une chose sur le marine français, qui est fantastique. Mon fils était à Soudan. Le marine français l'a mis sur un avion à Paris. Bien entendu, il y avait une grève. Mais il est venu et il était à sa femme 24 heures plus tard. Ça, c'est le marine français. Ah, fait pas ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ces amis ont quelques livres à votre disposition. Vous pourrez les rencontrer à la fin du culte si vous voulez en acheter. C'est un bon témoignage à prendre. Vous allez être déçus par mon accent parce que j'ai pas le bel accent qu'ils ont. Donc, au niveau des annonces, le week-end prochain, il y a le changement d'heure. Donc, soyez vigilants aussi à ça, dimanche prochain. Le vendredi 5 avril, il y a une soirée de prière. Donc, mobilisation de tout le monde. La dernière fois, on était très nombreux. Je crois qu'on sera encore plus nombreux la prochaine fois. Donc, réservé le 5 avril. Il va y avoir une feuille qui va circuler. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, Christelle. Bon, il y a une feuille qui va circuler dans quelques minutes pour vous inscrire, pour aider pour le concert de Glorious, qui sera au Grand Angle le 13 avril. Donc, la feuille va circuler. Notez votre nom. On vous donnera plus d'informations le week-end prochain parce qu'on va avoir une réunion cette semaine avec les responsables des différentes équipes. Et donc, on vous donnera des informations sur à quelle heure, etc. Ça sera beaucoup plus clair la semaine prochaine. Mais soyons tous mobilisés comme si l'événement était ici. Ce qui est super, mais super pour ceux qui ont déjà une place, il reste moins de 150 places pour remplir le grand angle. Donc, si vous n'avez pas votre billet, réservez-le très rapidement. Parce que certainement d'ici une semaine, ça sera complet. Donc, pensez à réserver votre billet. J'ai juste à cœur de dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je ne vous demande pas de lever la main, je vous demande d'aller voir après l'accueil ou un responsable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment à cœur d'être à ce concert et qui ne peut pas, pour différentes raisons, le faire ? N'hésitez pas à venir soit me voir, soit voir l'accueil, qu'on discute ensemble et qu'on voit ce qu'on puisse faire. Donc, voir Grâce, qui est là devant, si vous ne la connaissez pas, si tu peux te lever, Grâce. Donc,
Ça serait dommage de passer à côté de cet événement. Donc n'hésitez pas à venir en parler à Grasse. Merci. On a eu la joie avec notre pasteur de parler un long moment avec Benjamin Pouzin cette semaine. Ils ont vraiment hâte d'être là. Ils prient tous les jours pour notre église, ils prient tous les jours pour le concert du Grand Angle. Et vraiment, ça sera une bénédiction de les voir et de refaire résonner cette louange qui a résonné il y a plus de 30 ans. Il y a aussi eu une émission radio sur RCF cette semaine pour annoncer l'événement, annoncer ce qui se fait aussi sur Voiron entre les différentes églises, cette relation que nous avons construit et que nos pasteurs ont construit depuis plus de 50 ans maintenant. Et donc c'est super, vous pouvez aller voir sur RCF, sur le site RCF Grenoble, et vous avez un petit podcast. Donc ça commence à 12 minutes 20 à peu près, sur, donc vous voyez la fiche de Glorious, donc vous pouvez aller écouter si vous voulez écouter cette émission. Il y a eu aussi une distribution sur le marché samedi. Et un grand, grand, grand merci à Moïse. Ce matin, parce que notre cher Moïse, le samedi, et je veux t'honorer, Moïse, même si tu m'as dit tout à l'heure, mais moi, je le fais pour Dieu. Oui, tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Mais nous avons besoin de nous mobiliser, chacun, les uns et les autres. Et Moïse a été, hier matin, jusqu'à plus de 14 heures sur le marché à distribuer. Il me disait, il y avait... Les commerçants étaient en train de tous partir. Bravo Moïse, t'as rien lâché jusqu'à la fin. Merci, encore merci. Et merci. Il y avait toute une équipe, bien sûr. Il y avait Brigitte, Christian, Jean-Fred, il y avait aussi des catholiques. Mais vraiment, je voulais honorer Moïse parce qu'on ne le fait pas souvent. Et pour les distributions des prospectus, il est toujours là, présent. Voilà. Donc, merci bien sûr à toute l'équipe qui était présente pour ça. Il y a un programme à l'accueil que vous pouvez récupérer pour toutes les infos jusqu'à cet été. Il y a des réunions le matin de 8h à 9h, le lundi, mardi et samedi, et le jeudi de 9h30 à 11h. Donc, soyez bénis. Soyez bénis aussi par des pains qui sont au fond, à votre disposition, qui nous sont donnés gratuitement, par une boulangerie, et vraiment, ne partez pas sans avoir pris votre pain quotidien. Je vais laisser la place à notre pasteur pour la prédication. Voilà, ce matin, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Donc c'est bien quand on ne sait pas où on va, mais on y va. Donc ce matin, je repensais vraiment fortement à ce que Jésus a dit, je suis venu allumer un feu. Et je crois que ce matin, eh bien, je crois qu'il va se passer plusieurs choses. On va passer deux, trois vidéos, on va passer. Et je ne sais pas, on sait que le Saint-Esprit va descendre, mais je crois qu'il va descendre. Seigneur, ce matin... Nous avons vécu quelque chose de très bon, de très fort, et tout ça, c'était pour toi. Peut-être que tout le monde n'a pas réalisé que, Seigneur, eh bien, toute cette louange festive, Seigneur, comme ta parole le décrit, c'est pour toi et pour toi seul. Saint-Esprit, nous invitons ta présence, et que maintenant, Saint-Esprit, ensemble, eh bien, tu puisses exercer ton ministère avec force, puissance, autorité. Et que ce matin, eh bien, cette parole, Seigneur, qui seul est capable d'ouvrir notre esprit, eh bien, ce matin, que nos esprits s'ouvrent et que nous puissions entendre ta voix résonner dans nos cœurs. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, je pourrais passer à d'autres sujets, mais il n'y en a pas d'autres ce matin que simplement accueillir la personne du Saint-Esprit. Ce matin, à côté, vous étiez très nombreux. Et vous avez raison de venir vous préparer. Vous savez, je crois qu'une mariée, le jour de son mariage,
elle se prépare pas donc devant Monsieur le Maire ou devant, c'est une très bonne image d'ailleurs. Elle se prépare pas devant Monsieur le Maire ou à l'église. Elle se prépare bien avant, bien sûr, l'époux aussi. Alors je crois que spirituellement parlant, c'est aussi un peu la même chose. Alors moi, je crois que un réveil fait défaut quand il manque une réelle soif et la recherche du cœur de Dieu. Je suis en train de réaliser ces derniers temps que c'est tellement simple ce que je vous apporte en ce moment. Mais il faut que nous l'entendions et il faut que nous le comprenions. On va voir ce matin ce que Dieu est capable de faire. Et je voudrais vous demander à tous ce matin de croire ce que ces hommes de Dieu ont vécu, expérimenté, qui sort vraiment de l'ordinaire. Et qui me fait croire que l'Église, c'est pas simplement l'Église qui loue, qui adore, qui prie, qui chante, mais l'Église du Saint-Esprit, c'est l'Église où il y a des manifestations. Et ces manifestations, eh bien, elles sont pas toujours... La Shekina, la gloire de Dieu était réelle. Et moi, j'aime la voir sur vous, parce que je me dis, si elle se manifeste, c'est parce que tu es bien présent. Et ce matin, eh bien, elle va encore se manifester. Et je crois qu'on a besoin d'une nouvelle effusion d'esprit qui va redonner la vie à l'Église. Alors, notre Église, elle est loin d'être morte, elle est loin d'être assoupie, mais j'ai envie de vous dire ce matin, il y a plus. Parce qu'on veut... plus. Dis à ton voisin, on veut plus. Alors, voilà, c'est ça le réveil. Et je crois qu'on n'a plus le temps de jouer à l'Église. Et un pasteur a déclaré, notre besoin en tant qu'Église est celui d'un renouveau dans notre relation avec Dieu. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. On a besoin d'un renouveau chaque jour dans notre relation avec Dieu. Et moi, ce que je crois aussi, c'est que pour que le réveil se manifeste, il doit se manifester d'une manière individuelle, collective, mais ça doit déjà commencer par chacun d'entre nous. Amen. Et si chacun est réveillé par l'Esprit du Seigneur, alors à plus forte raison, quand nous allons nous retrouver, eh bien ça va être, comment dire, une communication de Saint-Esprit. On a vu ce matin Mélanie qui était, waouh, elle était remplie avec Michel et d'autres. Et ça m'a fait plaisir parce que je vois que certains qui étaient peut-être pas forcément dans ce vivre ensemble dans l'esprit, eh bien, ont commencé à manifester des choses. Mais je voudrais dire ce matin, même si on comprend pas tout des manifestations du Saint-Esprit, le plus important, c'est le fruit. On va le voir ce matin. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas que la manifestation, mais vous n'empêcherez pas l'Esprit de Dieu d'être une puissance. Vous recevrez une puissance. Et je crois qu'il y a quelques pasteurs, quelques leaders, je ne parle pas de notre Église, ils n'ont pas compris que le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Et c'est normal que quand l'Église se retrouve, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Et alors que je vous parle ce matin, elle va se manifester. Parce que je collabore avec une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Alors, on a besoin de cette violence spirituelle pour produire un vrai changement. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire ça. Et souvenez-vous, à la réunion de prière, il y a quelques temps en arrière, on a lu ce texte de Matthieu, chapitre 11. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Il se force un passage, le royaume de Dieu se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors si le royaume de Dieu, eh bien mes amis, se force un passage pour quelque part se manifester sur la terre, à plus forte raison, nous aussi, il nous faut réagir dans cette violence spirituelle afin qu'on ne soit pas, comment dire, des spectateurs, mais des acteurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Et je voudrais vous dire ce matin, même si chacun est différent, et je peux comprendre qu'on peut être introverti, qu'on peut être extraverti, moi, je crois que quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il n'y a plus d'introvertis, il n'y a plus d'extravertis. Il y a des hommes et des femmes qui sont touchés par la puissance du Saint-Esprit. Alors oui, Dieu va utiliser des personnes qui sont désespérées et qui vont crier à lui. Est-ce que tu es désespéré au point de dire ce matin,
Je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Je veux qu'il se passe quelque chose qui va m'amener à vivre une telle rencontre avec toi que ça ne va plus être pareil. Moi, je ne veux plus être le même. Je veux, dans cette rencontre avec Dieu, eh bien, autant pour Suzanne que pour moi, je l'ai vu hier matin avec Suzanne, ce matin encore, ce que j'aime, te voir, Suzanne, remplie du Saint-Esprit, parce qu'on n'est plus les mêmes. Parce qu'il y a ce revêtement qui vient, et puis on ne contrôle plus rien. Dis à ton voisin, n'essaye pas de contrôler l'Esprit de Dieu. N'essaye pas de le contrôler. Parce que plus tu vas essayer de le contrôler, plus tu vas lui résister, et plus je crois qu'il va te laisser tranquille. Alors oui, ce sont des gens désespérés qui crient à lui. Et ces derniers temps, depuis un mois, je vous parle de différents hommes de Dieu. Et je suis content de le faire parce qu'au moins, peut-être qu'au départ, vous pensiez qu'il n'y avait que Kenneth Hagin qui vivait ces choses-là. Et on a fait un peu la liste de certaines personnes. Et ce matin, dans ces vidéos, vous allez voir encore une fois d'autres églises, d'autres personnes être touchées par l'Esprit de Dieu. Et le peuple dit amen. La vraie question, c'est comment ça commence? Ça commence par une faim, par une soif. Je voudrais vous dire ce matin, tout à l'heure, Frédéric parlait de cette réunion de prière qu'on aura le 5 avril, je crois. Ne manquez pas cette soirée. Oh, une réunion de prière. Non, ce n'est pas une réunion de prière, c'est encore une rencontre avec Dieu. C'est encore un toucher avec le Saint-Esprit. Moi, je veux dire, cette semaine, tous les matins, on est venu avec Suzanne, on s'est fait un bien énorme. On a mis la priorité, il faut mettre la priorité, comme je le dis. Parce que cette présence, il faut la cultiver. Dis à ton voisin, la présence de Dieu, il faut la cultiver. C'est ce que Adam et Ève faisaient. Ils cultivaient cette relation avec Dieu tous les soirs, ils se rencontraient, et puis voilà. Et ce cœur à cœur, cette rencontre, faisait que cet amour est bien grandissait. Et ce matin, je voudrais un peu parler de cet homme de Dieu qui s'appelle Rodney Howard Brown. Donc, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois en arrière, mais je voudrais revenir un peu sur cet homme de Dieu. Il est arrivé à un carrefour de sa vie, il était jeune, 18 ans. Waouh! Et ce jeune, un peu cette fille, vous voyez, qu'on a vu dans la... Il y avait l'idolâtrie, et en fin de compte, eh bien, l'idolâtrie, quand il y en a, Dieu veut qu'on la chasse de nos vies. Vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas forcément vous prosterner devant une statue. L'idolâtrie, c'est de faire peut-être tes loisirs ou d'autres choses, eh bien, les faire passer avant Dieu. Mais là, c'est plus subtil, parce que c'était plus facile de dire à quelqu'un, « Ah ouais, tu te prosternes devant des statues, et là, tac, derrière, notre conscience, elle est tranquille. » Que plutôt, eh bien, se dire que parfois, d'autres choses prennent la place dans nos vies. Alors moi, je vais vous dire ce matin, il faut savoir ce qu'on veut. Comme je le disais dimanche passé, on veut le feu, on veut la fumée. Moi, je ne sais pas ce matin, mais qui a envie d'être plein de Dieu? Ce matin, voilà, il y a des personnes nouvelles qui sont là. Bienvenue, très heureux de vous accueillir. J'espère de tout mon cœur que le ciel va vous tomber sur la tête et que vous allez repartir d'ici en se disant, mais... Ils sont fous, ces Gaulois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin? Ils ont sauté, ils ont dansé. Ben oui, on le fait pour des ballons ronds, ovales. Alors, je vois pas pourquoi on le fait pas pour Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Hier, je regardais un peu quelques matchs de foot tout en travaillant. Je me disais, mais ils hurlent, ils crient dès qu'il y a un but. C'est waouh! Une hystérie collective. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire, je peux m'adresser à vous. Moi, j'étais content de cette hystérie dans l'esprit. Cette hystérie pour un amour, pour un Dieu que nous avons. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce que disait Michel Sardou, c'est la maladie d'amour. Le problème, il est, c'est que cette maladie, on ne peut pas la soigner. Enfin, certains s'en détournent, mais moi, je ne peux pas. Avec Suzanne, on ne peut pas. On l'aime et on l'aimera toute notre vie. Vous pouvez le dire aussi, vous pouvez lui dire. Pendant que je parle, vous pouvez dire, nous aussi, Seigneur. J'ai cru que vous allez monter sur les chaises et vous allez vous lever et dire, mais nous aussi, Seigneur. Ah, tu le fais pas, tant pis pour toi. Mais oui, oui, Seigneur. Ah, il y a Moïse qui le fait. Waouh. Mais oui, Seigneur, toute ma vie, je t'aimerai. Alléluia. Mélanie, amen. La maladie d'amour. Alléluia, merci Seigneur. Et ce garçon à 18 ans, et puis, en fin de compte, pendant plusieurs mois, il y a une soif spirituelle qui va grandir, qui se développe en lui. Et alors qu'il est à une réunion de prière, il va crier au Seigneur, Dieu, ô Dieu, soit tu descends ici
ce soir, et tu me touches. Et moi, j'ai envie de vous dire, je viens pleurer non plus. Et moi, ce matin, quand je suis venu, vous savez, du fait que Seigneur, en ce moment, me donne tout ça, excusez-moi, j'ai un peu une guerre d'avance et ça me fait tellement du bien. Je sens la présence de Dieu encore bien plus forte qu'il y a un mois en arrière, quand j'ai commencé à prêcher sur ces choses. Je la sens sur moi, en moi, à côté de moi. Je sens cette onction de guérison aussi qui est en train d'arriver. Les dons qui sont en train d'arriver, je le vois dans les entretiens. Plusieurs me disent, waouh! Bon, ça, encore dernièrement, hein, ceux qui se reconnaîtront, j'ai donné une parole pour la vente d'un appartement, et puis ça a marché, alléluia, gloire à Dieu, et ça, c'est tous les jours, je le vis au quotidien. Et puis je dis, mais Seigneur, encore plus, et il est là, c'est soit tu descends ici ce soir et tu me touches, ou je vais prendre une échelle, je vais prendre une fusée, et je vais monter là-haut dans le ciel. Je vais monter là-haut cette violence spirituelle pour dire, Seigneur, je veux être touché par toi. Parce que je ne peux pas continuer à vivre ma foi sans être bouleversé, sans être touché. Qui veut être touché et bouleversé par le Seigneur ? Qui a envie d'arriver, en fin de compte, à l'église en disant, mais Seigneur, c'est difficile de tenir, c'est la Shekhina, la gloire est tellement là, qu'on est tellement plein que ça déborde. Vous avez déjà vu un fleuve déborder ? Ce matin, ça déborde. Moi, ça déborde ce matin. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir. Et il s'est mis à crier. Il n'a pas crié Aline, mais il a crié. Et donc, mes amis, les gens qui étaient à côté, ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Mais vous savez, si vous voulez atteindre le ciel, si vous voulez être dans cette violence spirituelle, eh bien oui, le royaume de Dieu, c'est avec violence qu'il arrive. Parce que, mes amis, il y a des puissances démoniaques, parce qu'il y a, comment dire, des puissances démoniaques qui ne veulent pas que le royaume de Dieu se manifeste. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette violence dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration, avec la musique, avec la danse. Et ce matin, avec cette violence qui est celle que Dieu nous a donnée, alléluia, que ton nom résonne en ce lieu. Waouh! Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, moi j'attends qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que le Seigneur me donne d'aller travailler sur ces revivalistes, pour qu'on comprenne que c'est pas simplement on chante, que ton nom résonne, mais qu'à un moment donné, on entend « badaboum », c'est Alain. Ah ben tiens, Alain, il est à côté de Grâce. Oh, c'est Raphaël! Ah ben non, Raphaël, il est à côté de Pascaline. Mais qui c'est qui a fait « badaboum » ? Qui a fait « badaboum » ? Et c'est là où, mes amis, je viens de vous dire ce matin, moi, je suis dans cette attente-là. Amen. On va voir des exemples étonnants ce matin de ce que Dieu est capable. Des gens ont vécu des trucs de fou. Et le peuple dit « Amen ». Et il a crié 20 minutes. 20 minutes. C'est ce que j'ai crié, 20 minutes. Je pense qu'à la fin, il ne veut plus avoir de corde vocale. « Je veux ton feu !» Qu'il veut. Je veux ton feu. Et tout à l'heure, nous allons voir des vidéos de cet homme. Alors vous allez vous dire, oh, bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est plein de Saint-Esprit et de feu. Et nous, quand on regarde cette vidéo, on va regarder ces vidéos, on va se dire, oh, mais bon sang, oh, cet homme exceptionnel. Waouh, mais vraiment, c'est quelqu'un de spirituel, vraiment. Non, il a crié. Pendant 20 minutes, Seigneur, je veux ton feu. Je veux pas simplement être prédicateur derrière un pupitre, mais prêcher, et puis à la fin, à midi, oh, c'était bien, oh oui, magnifique. Non, il voulait le feu de Dieu. Et puis il dit à un moment donné, c'est comme si tout à coup, il dit, alors que pendant 20 minutes, il est en train de crier, qui c'est qui a déjà crié 20 minutes, Seigneur, je veux ton feu? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Alors, peut-être que ce matin, j'aimerais peut-être vous dire, mais on a peut-être besoin, peut-être, de changer nos réunions de prière. On a peut-être besoin, ce matin, c'était fort, on était une cinquantaine à côté. Moi, je disais ce matin à tout le monde, à 9h10, avoir déjà 50 personnes, alors que les cultes, d'ailleurs, ils commencent à 10h. C'est déjà bien avoir 50 personnes à côté, non? Vous ne croyez pas? Mais parce qu'on veut, on a faim, on a soif. On ne répond pas à l'invitation d'un pasteur, on répond à l'invitation du Saint-Esprit qui est en train de nous dire, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux la fumée ou tu veux le feu? Alléluia! Et ce matin, c'est ce qu'on a demandé. Et ce matin, quand on commence le culte, peut-être que vous n'êtes pas tous rendu compte, on était plein.
parce qu'on a fait le plein. Alors, je ne sais pas si tu as été chez Esso ou je ne sais pas où tu vas, mais tout est dit, c'est qu'on a fait le plein. Et si tu restes assis sur ta chaise, ah, on va prier, on va prier, on va prier. Oui, c'est bien. Mais moi, j'ai envie de te dire, je ne prie plus de la même manière. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand je suis plein que je prie. Ouh, vous comprenez? Même les leaders, là. C'est quand tu es plein que tu peux prier. C'est quand tu es plein que tu peux louer. C'est quand tu es plein que tu peux adorer. Oh, les musiciens, c'est quand tu es plein que tu peux, alléluia, prêcher. C'est quand tu es plein que tu peux imposer les mains aux malades. Les noms de hier vont devenir les oui d'aujourd'hui. Ah, oh, mais j'ai prié mais dimanche passé pour quelqu'un, il n'a pas été guéri. Dimanche passé, mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Est-ce qu'on peut dire amen? On continue? Il dit, c'est comme si tout à coup, quelqu'un avait pris de l'essence, avait allumé une allumette, et le feu de Dieu lui est tombé dessus. Je vais aller à la réunion prière un matin. Seigneur, tu peux allumer le feu dans ma vie, et puis hop, on passe à autre chose. On va prier pour la belle-mère, le beau-père, on va prier pour les vacances, on va prier pour avoir du travail, pour une maison. Mais lui, non, il est dans cette insatisfaction. Il a 18 ans, il dit, je ne vais pas attendre d'avoir, comme moi, un certain âge pour vivre ces choses. Et il dit, voilà, c'est comme si on avait pris de l'essence, si on avait mis le feu, et le feu de Dieu est tombé sur lui instantanément. Et il nous a dit qu'il a été immergé dans la puissance du Saint-Esprit et il a été enivré comme à la Pentecôte, de la tête jusqu'au pied. Vous voyez, eh bien, ces hommes de Dieu qui revivent les mêmes choses qu'à la Pentecôte, on peut dire amen. Et donc, il va déborder de joie, il rit de façon incontrôlable. Ça y est, alors je parlais de contrôle. Là, il n'y a plus de contrôle. C'est incontrôlable. Quand quelqu'un est visité par le Saint-Esprit, c'est plus contrôlable. Il y en a un peu, quelques-uns comme moi, qui veulent lever la main. Et personne ne lève la main. Vous êtes contre, vous êtes. C'est plus contrôlable. Moi, quand l'Esprit de Dieu est sur moi, c'est plus contrôlable. Et je dis, Seigneur, je voudrais que ce soit encore moins contrôlable. Oh, Seigneur, quand même. Quand même. De toute façon, Seigneur, il y a les gens qui vont voir. On veut être plein. On veut le feu. On veut ta présence. Et pendant 4 jours, la gloire de Dieu était toujours sur lui. Vous savez ce que c'est que faire une rencontre avec Dieu? Moi, actuellement, c'est ce que je lui demande. J'ai dit, Seigneur, je te lâcherai pas, comme Jacob, jusqu'à ce que on passe de cette dimension naturelle avec toi dans cette dimension surnaturelle où on n'est plus la même personne. Les gens peuvent dire, mais vous êtes fou, mais vous croyez en Dieu. Mais les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est que moi, je prends mon pied et que quand je rencontre des personnes qui forcément n'ont pas fait une véritable expérience avec Dieu, ils sont dans la dépression, ils sont au bord du suicide, ils sont dans la drogue, l'alcool et tout le reste. Alors moi, j'ai envie de dire, on vous laisse tout ça. Mais nous, on veut le Saint-Esprit. Alors ce matin, j'ai envie de vous balancer du sel dans la bouche. Allez, là, là, là. Vous savez, ce film avec Fernandel, vous n'avez jamais vu, là? Ce film avec Fernandel, qu'il y a une chèvre qui est en train de lui lécher le sel. Mais vous savez que c'est que l'histoire, en attendant, elle est comique. Mais si vous ne le savez pas, eh bien, en fin de compte, ils ont mis du sel donc, sur ses pieds. La chèvre, elle est venue lécher ses pieds parce qu'il y avait du sel. Alors, tout le monde rigolait, sauf lui, qui était en train de se faire bouffer les pieds et qui était en train de souffrir. Et du fait qu'il criait, tout le monde croyait qu'il rigolait, mais en fin de compte, il ne rigolait pas. Il était en train de souffrir parce que la chèvre était en train de lui bouffer les pieds. Non, mais c'est véridique, hein. Dans une émission de télé, j'avais vu ça. Alors si je vous balance du sel dans la bouche, alléluia. Et il disait, je ne peux plus supporter ta gloire. Et d'un seul coup, il va dire au Seigneur, je ne veux pas mourir, je suis trop jeune, ne me tue pas maintenant. Alors on va mettre une vidéo, la première. Et puis, ce matin, on va voir plein de choses. Mais je voudrais ce matin vous préparer l'Église à ce que
nos cultes ne vont plus rester naturels. Ça commence à venir. Mais je me dis, Dieu est bon, parce que si c'était trop soudain, je ne suis pas convaincu que tout le monde supporterait. Alors, il y va crescendo. Nous, on va au crescendo à midi, mais voilà, on y va. Il y va crescendo. Tu peux tout éteindre, voilà. Christelle, il faut tout monter. Et on va y aller pour quelques minutes. Et voilà, c'était l'expérience de cet homme de Dieu. Non, c'est pas celle-là, là. Oh, oh. Non, là.
Notre soi-disant dignité passe avant notre jubilation en Dieu. Il dit, c'est une catastrophe. C'est bien ce qu'il dit. Et cet homme de Dieu dit, si Dieu, voilà, ne touche pas nos sentiments, il dit, c'est le diable qui le fera. Je suis d'accord avec lui. Et puis, un homme de Dieu qui m'a surpris, ça va Pascal ? Qui s'appelle Jules Taubois de Paris. Il y a des hommes, vous savez, ça fait, oh, je mets du temps à préparer ces messages parce que je glane un peu de partout, parce qu'il faut qu'on arrive à vous faire comprendre que quelque chose est en train de se passer. Enfin, écoutez, ce qu'il y a sur la vidéo, vous êtes en train de vivre ici en direct. On ne va pas l'arrêter. Il dit, le manque de liberté, écoutez bien, le manque de liberté, arrêtez un peu de bouger là un peu, c'est bon, là, soyez-vous un peu. Hein, voilà. Donc, écoutez, le manque de liberté d'expression des émotions dans l'Église a laissé bien des captifs dans leurs chaînes. C'est Jules Taubois qui dit ça. Il est bon que le peuple de Dieu s'abandonne à lui et exprime ses larmes, ses souffrances, ses joies, sa jubilation, il dit, dans la liberté de l'esprit. Sa jubilation dans la liberté de l'esprit. Ben, il a changé, hein. Jules Taubois qui dit ça. Waouh, vous voyez, pour commencer un ministère, mais on peut aussi... Et puis, il y a d'autres citations de Duncan Campbell, il dit « Ceux qui aspirent au réveil doivent s'attendre à ce que Dieu agisse selon non pas notre programme, surtout pas selon notre programme, mais selon le sien. » On peut dire « Amen ». Alors, on va mettre ce texte de Habacuc, chapitre 1er, et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu celui-là. Il dit « Voyez parmi les nations », et je crois que c'était le moment que ce matin que je le lise pour vous, parce que je crois que c'est prophétique, et ce texte, et moi j'appelle la gloire de Dieu, voyez parmi les nations et regardez, et soyez stupéfaits, car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si elle vous était racontée. C'est en train d'arriver, cette visitation du Saint-Esprit. Et Habacuc chapitre 3, « Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis rempli de respect, accompli au cours de nos vies, de notre vie. » On peut lire ensemble ?« Accompli dans notre vie des œuvres semblables. » Dites avec moi, des œuvres semblables. C'est ça qui va faire venir le Saint-Esprit. Sinon, il ne viendra pas. Fais-le. Fais-le connaître de notre vivant. Même si tu as des raisons d'être en colère, manifeste-nous encore ta bonté. Dieu arrive de tes mâles, le vrai Dieu vient des monts de Paran. Sa splendeur illumine le ciel et la terre est pleine de sa louange. Il vient éclatant de lumière, des rayons brillants jaillissent de sa main où se cache sa puissance. Et là, quand vous étudiez la Bible, vous vous dites, mais il y a plein de choses, écoutez-moi bien, qu'on n'avait pas vues. Ésaïe, chapitre 28, verset 21, « Car l'Éternel se lèvera. » Alors, ça dépend de la version. « Car l'Éternel se lèvera. » Moi, je crois qu'il faut nous attendre à ce qu'un flot surabondant de la puissance de Dieu agisse profondément, parce que Dieu veut toucher aussi notre âme et nos émotions. Nous sommes des êtres d'émotions. Ésaïe 40 va dire, et c'est là que c'est la Bible, c'est super, parce que moi, ça me permet d'être tellement convaincu de ce que je vous enseigne. Ésaïe 40, verset 13, « Qui a pris la mesure de l'Esprit du Seigneur ?» Waouh ! Qui peut mesurer ? Qui a pris ? Qui peut s'amuser donc à mesurer l'Esprit du Seigneur ? Qui a pris la mesure de l'Esprit ? J'ai envie de vous dire ce matin, mais c'est impossible, dis à ton voisin, c'est impossible. Alors Finet raconte au sujet d'un de ses messages, Finet était revêtu d'une telle onction que sa seule présence, écoutez, comme cet homme de Dieu, a mené une nuée de gloire sur tout le quartier où il venait prêcher. La gloire de Dieu était perceptible aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des lieux de réunion. Il arrivait même fréquemment que des passants, dont la plupart n'étaient nullement intéressés par Dieu, s'écroulent sous l'effet de cette puissance et confessaient leurs péchés. Quelqu'un d'autre aussi, 1829-1912, William Booth, donc fondateur de l'armée du salut, terrassé par un pouvoir divin, des hommes et des femmes tombés et demeurés sur le plancher, prostrés et comme morts. D'autres riaient, criaient de bonheur. Amen. Et quelques-uns saisis d'une jubilation extraordinaire, roulaient même sur le plancher. On voit ces choses au milieu de nous.
Quand on boit trop, on roule sur le plancher. Et puis, on va mettre cette autre vidéo de Rodney. Et après, il y a quelque chose d'important que quelqu'un a dit, que j'ai trouvé extraordinaire, pour que quelque part, on ne s'arrête pas sur les manifestations. Sinon, on ne va pas comprendre. Et vous allez voir ce que dit cet homme de Dieu. C'est super de travailler, de faire des recherches. Ça va vous permettre de comprendre les choses. On y va ? Et là encore, nous allons voir un peu des choses qui vont se passer. Et donc voilà, quelques-uns saisis d'une jubilation extraordinaire, roulés même sur le plancher. Voilà, vous l'avez trouvé ou je continue autre chose? Ça y est, voilà. Donc on revient sur le gamin. C'est pas la même, hein, j'espère. Voilà. Je crois que c'est la suite. Pas grand chose, hein. Lève les mains. Regardez les gens. Simplement, ils appellent le feu de l'esprit. Bénin vit les mêmes choses. Take your people. Dip them in the kerosene of your spirit. And light their fire. Oh God! Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a jeté un foulard sur les gens. Touchez le vêtement de Jésus, vous êtes béni, vous êtes guéri. Un mouchoir, souvenez-vous, vous l'imposez, vous mettez le mouchoir sur les gens, et les gens étaient guéris. J'étais en train de me dire, quand je regardais la vidéo, je vous pose la question, ne croyez-vous pas que, avant qu'on demande au Seigneur de répondre de son esprit sur les incroyants, qu'il commence déjà avec nous, à la Pentecôte, il n'a pas commencé avec les incroyants, hein. Il a commencé avec l'Église. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui? Peut-être qu'il veut nous dire que ce que cet homme a réclamé, a demandé, est bien plus importante que ce que peut-être nous faisons quand nous venons à l'Église. Et moi, j'aimerais qu'on lui demande. On veut vivre l'onction. On veut vivre avec le feu. On veut voir tomber ta gloire sur nos vies. Et André Muret dit quelque chose, année 1900. Il dit, David Duplessis raconte l'expérience, écoutez bien, de André Muret en présence des manifestations au cours du réveil religieux, ça se passe en Afrique du Sud. Écoutez bien, parce que j'aimerais bien que tout le monde comprenne.
Quand il vit entendu les pêcheurs pleurer, écoutez bien, les malades guéris éclataient de rire et ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, priant en langue et chantaient, écoutez bien, il assiste à ces choses-là, il s'en alla dégoûté de toute cette cacophonie. Élevé dans l'église protestante hollandaise, jamais il ne pourrait admettre, écoutez bien, que le Saint-Esprit puisse animer de telles manifestations. Il prit le train et retourna sur son champ de mission. Il passait et repassait dans son esprit tout ce qu'il avait vécu et, comme nous le faisons avec l'équipe pastorale, il va faire une relecture de tout ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Et donc, de tout cela, pouvait-il en toute honnêteté en retirer quelque chose de bon ? Et écoutez bien. Il se rendit compte alors que jamais de sa vie il n'avait encore rencontré des gens qui fussent remplis d'amour pour Jésus et qui fussent plus et plus zélés pour tout ce qui concerne le Christ vivant, dont la présence était tellement tangible au cours de ces réunions. Il ne s'était jamais trouvé dans une où le Christ fut plus magnifié et plus glorifié et adoré. De mauvais esprits auraient été incapables d'inspirer cela, il dit. Par conséquent, ce devait bien être en définitive l'œuvre du Saint-Esprit. Et à la première station, il descendit du train et prit un billet pour y retourner. Tant pis pour le bruit, et plus jamais il ne les quitta. Il devint président du mouvement connu sous le nom de Mission Apostolique d'Afrique du Sud. Sous sa direction, le mouvement ne cessa de prospérer au point d'être aujourd'hui une des sociétés missionnaires les plus solides de toute l'Afrique du Sud. Et moi je dis Amen. Vous voyez, on peut très bien se poser des questions par rapport à la manière où le Saint-Esprit peut agir. Mais ce qui a touché cet homme, c'est qu'il a vu des gens zélés. Des gens qui ont commencé à louer et adorer le Seigneur. Il a commencé, comment dire, à voir les guérisons. Et tout à l'heure, j'ai commencé le message en disant, ce qui est important, c'est le fruit. Est-ce qu'on peut dire Amen ? C'est le fruit qui est important. Ce n'est pas tellement les manifestations. Alors mes amis, eh bien, moi, je crois que cet homme a eu raison de dire « Je retourne là-bas parce que, enfin, je vois des signes probants de l'action du Saint-Esprit. » À Susa Street aussi, ça a été au-delà du parler en langue. Les gens bondissaient, dansaient, sautaient, riaient dans l'esprit, tombaient en extase et se contorsionnaient. Ils avaient des visions et des rêves et vivaient des guérisons. On peut dire « Amen ». Une femme qui n'avait aucune formation musicale fut saisie par l'esprit et courut à l'orgue sur lequel elle joua une merveilleuse musique. Un converti dit, c'est l'endroit où l'on entend le rire de l'univers lorsque l'esprit entra en lui et dit, tout mon corps riait d'une joie ineffable. Un jour aussi, dans un endroit, pendant une réunion, le poids de la gloire était si lourd que les gens durent s'allonger sur le sol. Le prédicateur, on va mettre la vidéo de Eddie, le prédicateur ne put tenir non plus et dut se mettre la face contre terre. Et le peuple dit Amen. Amen. Et comme il n'avait pas d'argent pour aller à la ville suivante, un billet de train lui apparut venant de nulle part. Alors, la gloire de Dieu était tellement là que les gens durent s'allonger sur le sol et le prédicateur ne put tenir non plus et dut se mettre la face contre terre. Et j'ai trouvé une vidéo de Eddie Baker. Voilà. Elle était en train de prêcher. Elle est en train de lire les écritures là. Bon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, ça ne s'est pas passé il y a 2000 ans en arrière. Ça s'est passé là, il n'y a pas si longtemps que ça. Quand la gloire de Dieu descend, même les prédicateurs, ils ne peuvent plus tenir.
On peut dire Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13, on va mettre ce texte. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble à l'unisson pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'Éternel en chantant « Car il est bon ». Et le peuple dit « Car il est bon ». Car son amour durera toujours. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, ce nuage, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Raph, tu peux te mettre au piano, s'il te plaît, si tu veux, toi ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a envie ce matin? Qu'est-ce qu'on a envie ce matin? Je m'adresse à vous, regardez-moi. Qu'est-ce qu'on a envie ce matin? Manifestation ou une transformation, un changement. C'est tellement être plein de la plénitude du Saint-Esprit que ça va changer notre Église encore. On peut mettre les paroles du chant. Voyez parmi les nations et regardez et soyez stupéfaits, car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si elle vous était racontée. On l'a pas ? Le temps de laisser l'Esprit de Dieu agir et nous toucher. Sylvie, qu'est-ce que tu as ressenti ce matin quand tu étais remplie? Tu peux nous dire? Ou c'est inexplicable? C'est inexplicable? La paix, la joie. Comment tu étais? Je crois qu'il y a une plénitude, en fait. Je me dis ce matin, avant que je touche des inconvertis, il va falloir que je commence à par toucher l'Église. Les 120, ce n'est pas que les 12 qui ont été touchés. Et ce matin, bien malin, qui peut dire ce matin, moi je vis ce que j'ai vu sur ces vidéos. Et je crois que le Seigneur veut nous emmener plus loin, dans une plénitude encore plus grande. Vous êtes surpris de ce qu'elle vit? Vous avez vu des vidéos, c'était pire que ce qu'elle est en train de vivre là. Soyez pas surpris. Les gens sont trop dans le péché pour que quelque part ils se convertissent. C'est du presse sur Zachée et le reste. Il faut vraiment qu'il y ait la puissance de l'Esprit qui vienne les convaincre de péché. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ce que j'ai prêché ce matin, ce qu'on a besoin, c'est de la plénitude du Saint-Esprit.
On va attendre qu'elle se ressaisisse. Parce que des fois, l'onction, elle vient aussi par les autres. Peut-être que quelqu'un a envie de se lever ce matin et qu'importe tes conversions, tes titres dans l'église. Moi, je veux autre chose. Je veux autre chose. Hein, Maria, on va venir mardi matin chez toi. On va pas venir chez toi simplement pour dire on va prioter, on va chasser ces démons. Et puis que dimanche prochain, tu viens témoigner ici et nous dire Jésus, ça marche. Et ça va marcher, Maria. Parce que Jésus est vivant. Tout ce que tu entends, ça va disparaître. Est-ce que quelqu'un a ce besoin ce matin de se dire « Je veux plus continuer comme ça. » Toi qui reviens à l'église depuis quelque temps, peut-être que tu dis « Mais... » Qu'est-ce que je veux en fait ? Ça fait un mois depuis que je partage ces choses que je ne vis plus les mêmes choses. Et vous voyez, ce matin, je laisse agir le Saint-Esprit parce que je ne veux pas simplement le prêcher. Le Seigneur m'a dit, arrête de parler maintenant. Laisse faire mon esprit. Et plusieurs se lèvent. Moi, je n'ai pas envie de repartir et dire, allez, qu'est-ce qu'on en va entendre dimanche prochain ? Cet homme a simplement levé les mains. Il a simplement demandé au feu de venir. Eddie Baker ne peut même plus prêcher tellement qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Et pourtant, il y a des centaines de gens qui sont là à cette réunion. Je vous raconterai dans quelques temps un peu ce que Dieu est capable de faire dans un réveil. Nous sommes à l'aurore de quelque chose de grand et de puissant. Regardez pas si les gens restent, restent pas, c'est pas un souci pour moi. C'est à nous à faire le plein. Ce qu'a fait Raphaël dimanche passé, c'est tout à fait ça. Sylvie, tu seras prête, je te demanderai de revenir me rejoindre. Ah, on n'est pas trop habitués. Hein. Oh, il reste encore une demi-heure. Pasteur, il a fini. Je n'ai pas fini. Parce que l'esprit n'a pas fini encore ce matin. Parce que là, on est encore bien gentil, là. On veut que ça tombe. On veut que certains se retrouvent là. Que l'air devienne irrespirable, tellement la chic qu'il a comme ce gamin, quand on voit, il ne peut plus respirer. Ah, si on peut préparer un micro, il y a un micro, merci frère. J'aimerais que vous puissiez voir ce que c'est que quelqu'un qui est touché par l'Esprit du Seigneur. Viens à mes côtés ici. Je veux simplement que vous regardiez ce que c'est que quelqu'un ou d'un seul coup, ce que vous prêchez, vous le voyez non pas que sur une vidéo, mais vous le voyez sur une personne. Et là, vous voyez ce que vous avez vu sur ces vidéos. Et là, ce qu'elle a dit, je suis en train de vivre la plénitude de Dieu. Non plus un savoir, la plénitude de Dieu. Les amis internautes, on reste avec vous, on reste. De plus en plus de gens qui nous regardent. Je pense que les gens ont soif d'un renouveau. Ils ont besoin d'une rencontre avec Dieu. Si tu as quelque chose à
dire, Sylvie, tu le dis quand tu veux, parce que la parole prophétique, elle peut jaillir à tout moment, tu sais. Et j'aimerais que vous soyez à l'écoute. On a tellement été vite, on a prêché, parce qu'on a tellement de choses à dire. Dis-moi, laisse l'esprit agir aussi. Il y a une douceur. C'est ce que je ressens, cette douceur. Et je crois que c'est ce que j'ai besoin en plus en ce moment. D'avoir perdu maman. J'ai besoin de cette douceur. Et je ressens sa douceur, son amour. Ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que vous avez envie que l'Esprit de Dieu vienne de cette manière-là? Là, vous voyez, là, c'est l'Esprit de Dieu qui prend sa vie en main. On n'est plus en train, par un message encore, de vouloir expliquer des choses que les gens ne comprennent pas, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai perdu maman et ce matin, je ressens son amour et sa douceur. Alors nous, à la fin du culte, ah, on va prier pour elle, ouais, c'est bien. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui la restaure, ça ne va pas tenir que le temps d'une prière. Moi, je veux plus ça. On veut voir des membres d'église être restaurés, être guéris en profondeur. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, a ce besoin-là. Moi, je t'invite à venir. Peut-être que la caméra, on pourra peut-être la mettre. On va laisser quand même, parce que j'aime bien que les gens entendent. On pourra peut-être la mettre sur une photo, je ne sais pas, ou sur le champ, si tu veux, Kevin. Comme ça, vous ne serez pas filmé. Si quelqu'un veut venir devant, sans être filmé. T'as envie de cet attouchement du Seigneur ce matin? Peut-être que ce matin, il y a un besoin qui est plus réel que tu peux le penser et l'imaginer. Et peut-être que ce matin, il faut que tu sois touché par cette plénitude de l'Esprit. T'as peut-être ce besoin-là ce matin. Continue à jouer peut-être. Vas-y, Michel. Il y a peut-être un travail de l'esprit qui a besoin de se manifester dans notre église avant de vouloir voir un réveil de masse. Pour que Dieu touche ceux qui vont arriver, il doit commencer par nous. Venez là devant, là, venez là, voilà. Et puis simplement laissez-vous toucher par l'Esprit du Seigneur. Avancez-vous, laissez la place. Allez, avancez-vous. Ne venez pas en spectateur. L'Esprit de Dieu peut tomber à tout moment. De continuer à vivre ta vie avec tes souffrances, tes blessures, ou est-ce que ce matin tu veux que Dieu te guérisse de ces blessures? Dieu est en train de guérir. Moi, j'ai rien à faire que d'être simplement un canal. Mais ça, dans nos églises, on veut toujours remplir par la louange, par des prêches. On laisse plus le temps à l'Esprit du Seigneur de faire son travail. Alors, il peut le faire, on l'a vu sur la vidéo, où Dieu touche des centaines de milliers de personnes. Et puis d'autres qui se retrouvent par terre et qui, pendant des heures, agonisent dans sa présence. Et Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu relève. Dans les réveils, c'est ce qui se passe. Les gens crient, les gens hurlent. Parce que leur douleur s'en va. Parce que leur souffrance s'en va. Parce que Dieu restaure ce qu'un homme, une femme, même parfois même la médecine,
J'ai dit parfois, ne peut pas. Faut être humble aussi. Nous, les pasteurs, les médecins, faut être humble aussi. On peut pas toujours guérir tout le monde. Et parfois, eh bien, la foi aussi a toute sa place. Laissez Dieu, laissons Dieu nous guérir en ce moment. Laissons le Seigneur nous restaurer. Laissons-le nous révéler sa gloire et sa présence. Et ce matin, vous voyez, je vous dis, ce que Dieu me montre, c'est que peut-être que ce n'est pas peut-être à l'œil nu aussi puissant qu'on l'a vu sur la vidéo, mais le Seigneur dit, mais je travaille les cœurs. Et je crois que si ces derniers temps, nous voyons ces dernières semaines, sa présence augmenter, c'est parce qu'il y a plus de lui qui est en train de remplir nos vies. Et c'est pour cette raison que ce matin encore, on a vécu un moment très fort. Viens à côté de moi, Lorenzo. Tu veux venir à côté de moi? T'es revenu, je suis content. Aux internautes, simplement vous dire que ce matin nous vivons encore un moment particulier où on se laisse guérir, restaurer, remplir et tout simplement peut-être vous inviter à venir nous rejoindre un dimanche matin. Et peut-être que tu as besoin, non pas que te retrouver, je dirais, à écouter une prédication derrière ton écran. Et peut-être que tu as besoin de ce présentiel avec Dieu, mais aussi avec les autres. Alors, viens nous retrouver quand tu veux. À la Cité Lumière, au 46 rue du Faubourg Saint-Mans. À voir. Que Dieu vous bénisse, on va vous saluer, mais nous, on reste encore. T'as envie de cette plénitude, Lorenzo? T'as envie d'être touché par Dieu? T'as envie que ça change ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais lui demander ce matin? Si tu avais quelque chose à lui demander au Seigneur. Il est branché le micro. Vas-y, redis.